Bonsoir, bienvenue dans la maison Marie-France 5. Ce soir, une émission spéciale consacrée à la drogue. Nous aurons Cannabis qui souhaiterait un plan de travail plus grand dans sa cuisine afin de faire des space cakes en plus grand nombre. Nous aurons Cocaïne qui souhaiterait un central d'appel dans son bureau afin de gérer son système nerveux. L'Ecstasy, quant à elle, une citerne d'eau afin de pouvoir boire en grande quantité. Les champignons hallucinogènes, quant à eux, un sauna pour transpirer en grande quantité. GHB, des roulettes sous son lit afin d'être disponible en tout lieu et tout moment. LSD, un tableau de Vasarely. Amphétamine, souhaiterait supprimer tous les lits de la maison. Kétamine, des élastiques accrochés à son lit afin de se détacher de son corps tout en revenant rapidement dans son enveloppe charnelle et de retrouver un sommeil profond, voire anesthésiant. Le crack, un laboratoire dans son garage afin d'en extraire l'ammoniac pour laver les sols. L'héroïne, une rampe d'accès plus pentue entre la rue et le garage afin d'accélérer le ralentissement du rythme cardiaque. Quant à désomorphine, une ferme d'élevage de crocodiles dans sa baignoire afin d'avoir l'impression d'avoir une famille. À ce soir. J'adore ma cheminée. Elle me permet de n'avoir plus froid quand j'ai mangé une omelette aux champignons que je me suis injecté des cachets d'amphétamine, que j'ai bu du LSD. Que je... Il me faut ma dose. Il me faut...